L'histoire que je vais vous raconter, c'est loin d'être un conte de fées. Même si ça parle de loups-garous, du diable, puis pire encore. Ça m'est arrivé, vrai comme je vous parle, au mois de décembre 58, près du village maudit de Val-aux-Loups, sur les bords du Saguenay. Hello à tous, ici Ernesto, on se retrouve aujourd'hui sur Sans froid, un conte de loup-garou. Non, j'arrive pas à faire l'accent, c'est pas grave. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Sans froid, Tales of Werewolves, disponible sur Steam pour une quinzaine d'euros si je ne dis pas de bêtises. Et qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un jeu de survie. Ouais, je pense qu'on peut dire survie stratégique. C'est un peu bizarre, un petit aspect tower defense comme ça, mais pas que. Voilà. Qu'est-ce qui m'a d'abord interpellé dans ce jeu? Tout simplement le nom, hein. Je pense que, oula, madame, descends, s'il te plaît, descends. Voilà. Donc je disais, qu'est-ce qui m'a interpellé? Ben forcément le loup-garou. Voilà, hein. C'est pas pour rien si mon pseudo c'est Wolfarion ces temps-ci. Voilà. Donc tout d'abord ça m'a interpellé, j'étais là, hein, jeu loup-garou, what the fuck. Puis j'ai regardé, j'ai regardé d'un peu plus près, et puis un autre truc qui m'a tenté, vous l'avez entendu, c'est bien sûr ce foutu accent québécois, qui est quand même un truc de fou. Vous entendez, il y a une fille comme ça dans le lit qui fait des trucs bizarres, on sait pas trop quoi. La musique est cool. Il y a des bruits de loup-garou dehors. Enfin, en tout cas, de loup. Donc, écoutez, je propose qu'on fasse une nouvelle partie, hein, voilà. Je veux pas prendre le personnage le plus... Voilà, donc, on peut prendre T-Jack. Et on peut prendre T-Joss. J'ai oublié leur... Enfin, j'ai oublié vraiment lui, je pense que c'est... Geoffrey. Enfin, je sais plus, en tout cas, il semble qu'ils ont un vrai nom. Un vrai nom, voilà. Bref, je vais prendre T-Joss parce que difficulté normale, j'ai pas trop envie d'aller en difficulté élevée. Le jeu est déjà assez chaud comme ça, en fait, hein, mine de rien. Donc, voilà. Bon, c'est pas du Dark Souls non plus, hein, donc voilà. Niveau de difficulté, normal. Voilà, c'est Joseph et l'autre, c'est... Attendez, je vais vous lire tout de suite. Joseph et... Jacques. Oui, forcément, voilà. Forcément. Donc, hop, je disais donc que j'allais prendre... Joseph, voilà. Alors, je s'excelle autant... Non. Est-ce que je... Non, je vais pas le faire avec un accent québécois, quand même. Oui, c'est... Ça va être un melting pot de langue, hein. Je suis belge, donc je vais sans doute dire 2-3 trucs en belge. Enfin, en belge. Non, peut-être pas, on s'en fout. Bref, je vais arrêter là-dessus, on s'en fout, on s'entend pas de la nouille, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Je présente à des... Enfin, je suis belge, je présente à des Français un jeu québécois. Faut quand même le faire, quoi. C'est un truc de fou. Bref, Joseph T-Joss O'Carroll. Joseph excelle autant en combat rapproché qu'avec les pièges. Enfant malade et chétif, T-Joss a failli perdre la vie suite à une mauvaise chute d'un arbre, mais sa mère, une sorcière inue réputée, a si bien usé de ses enchantements pour le guérir qu'il est ressorti avec une constitution et une force prodigieuse. Non, je vais pas le faire.
Donc, attiré par les salaires intéressants qu'on y offrait, TJ s'engagea très jeune comme bûcheron à la W. Wood Company, après l'exil forcé de son frère Jack, recherché par les autorités pour sa participation dans les insurrections patriotes de 1837. Joss acheta une petite propriété au village de Valoulou, où il s'installa avec sa sœur Joséphine. Voilà. Allez. Je prendrai donc T-Joss. Voilà. Je prendrai ici. Voilà, je vais mettre YouTube parce que voilà. Rien à faire, je mets toujours une majuscule sur le YouTube. Oui, intéressant. Voilà, hop, je vais mettre YouTube. Hop. Ok. Et écoutez, voilà. Ah, j'aime beaucoup la musique, hein. Rien à faire. Donc ce calendrier a été donné à Joseph O'Carroll. Et écoutez, on y go. Grand loup, depuis quelque temps, plusieurs villageois de Valoulou ont remarqué que les loups des forêts environnantes montraient un comportement étrange et plus agressif qu'à l'accoutumée. Il y a une faute, c'est pas grave. Des rumeurs vont jusqu'à colporter qu'ils seraient possédés par le diable. Voilà, donc piège recommandé, ça on s'en fout pour le moment. Hop. Ah ben Joséphine, ma sœurette, ça parle au yard. Quel bon vent t'amène dans le fin fond du bois pour voir ton ermite de frère? J'ai peur qu'il s'agisse plutôt d'une tempête. Monsieur le curé a perdu la tête puis m'a sauté dessus comme un démon pendant que j'époussetais la sacristie. J'ai tenté de le repousser d'un coup de candélabre, mais la chandelle est tombée par terre puis l'église de Valoulou a pris feu. Depuis lors, toute la paroisse me dit coupable. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Entre, reste pas planté là sur le quart de la porte. Ben, c'est que, tu vois, Jacques, je suis pas seule. Je suis pas là de gaieté de cœur, le frère. T'en fais pas. Sans Joseph pour me protéger, les villageois m'auraient déchiqueté en lambeaux sa grande place. Il peut plus vivre là-bas, lui non plus. Je t'en prie, Jacques, pour l'amour de notre mère, laisse tes rancunes de côté, puis accepte de nous héberger tous les deux. Avez-vous entendu dehors? Il y a probablement un carcajou qui effraie nos picouilles. Tant qu'à vivre à mes dépens, mon petit Joe, aussi bien te rendu-t-il? Fais-le fuir, pendant ce temps-là, m'a chauffé du thé pour la sœur. T'as d'affaires à prendre soin d'elle. Elle est fiévreuse. Rien à faire, je surkiffe cet accent, c'est con mais c'est comme ça. Donc, coucou à tous mes amis, enfin à tous les amis québécois qui nous suivent. Hein. Donc voilà, alors, retrouver les chevaux, déplacement WSD, voilà, oui, je suis sur un clavier QWERTY, tourner caméra avec la souris. Jusque là, rien de bien compliqué, c'est un TPS, enfin c'est en vue de TPS. Voilà, donc ouais. Comme vous pouvez remarquer, bah, il faut se rendre au point de destination ici, au point de destination. Ben, j'irai boire. Les chevaux sont morts. Pis ton carcajou ressemble pas mal plus à un loup, mon petit Jack. Sa meute doit être d'un parage. Rien à faire, je surkiffe cet accent. Ben, j'irai boire. Donc voilà, il faut attaquer ce foutu loup. Tiens, vilain loup. Vilain loup. Ah. Je peux pas encore utiliser le... Ok, bon, c'est pas grave. Bon, jusque là, il fait pas grand chose, le loup, hein. Ben, j'irai boire, les pauvres chevaux, t'y... Ouais, trouver la meute à proximité. Carrément, il y a une meute. Ah merde. Bon. Le pont vers le village qui brûle. Je crois que je vais rester pris avec Jack plus longtemps que prévu. Eh ouais, hélas. Petit didacticiel. Bonjour, ici Brian Perrault. Laissez-moi le plaisir de vous guider dans l'univers de Sang-Froid. Vos points de vie sont représentés par le cœur rouge au bas de l'écran et vos points d'endurance sont représentés par la barre verte. Votre endurance se vide à chacun des coups que vous donnez. Si vous n'avez plus d'endurance, vos coups sont ralentis. Chaque fois que vous blessez un ennemi, vous accumulez de la rage. Le feu dans l'interface et sur votre hache vous indique que votre rage est chargée. Appuyez sur le bouton droit de la souris pour relâcher la rage accumulée. Pour éviter les attaques des ennemis, vous pouvez effectuer une roulade avec la barre d'espacement. La barre d'espacement.
Voilà, je laisse le didacticiel parce qu'il explique sans doute mieux que moi. Hein, voilà. Oh, Danou. Ouais, c'est toi qui vas m'attaquer en premier. Ok, le jeu a décidé de friser, c'est pas grave. Ça m'est pas arrivé jusqu'ici, c'est peut-être l'enregistrement. Quoique, ces temps-ci, ça a tendance à se raréfier avec les logiciels actuels. Mais bon, ça arrive, hein. Quoi qu'il en soit, c'était ça, sa meute. Y a pas grand-chose, hein. La bonne sainte, rendez pitié de moi! Pour l'amour de Dieu, aidez-moi! J'arrive! J'arrive! Le fusil. Chargez votre fusil en maintenant la touche CTRL. Pour accélérer la recharge, appuyez de façon répétitive sur le bouton droit de la souris. Cette icône apparaît lorsque votre fusil est chargé. Votre mire est rouge si vous n'avez aucune cible ou que celle-ci est hors de la portée de votre fusil. Elle deviendra jaune lorsque vous visez un ennemi. Si vous visez précisément la tête d'un ennemi, votre mire deviendra verte pour effectuer un tir parfait, causant ainsi plus de dégâts. Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour tirer. La quantité de balles que vous possédez est indiquée dans le coin inférieur gauche de l'écran. Voilà, voilà. Donc hop, on peut basculer en mode tir, voilà. Hop, allez, dépêche-toi de recharger ça, t'as pas que ça à foutre. Allez, allez. Savoir qu'on peut améliorer la cadence de tout, enfin et tout ça dans le truc, voilà. Tir parfait, oui. Tiens. Allez, je peux, j'ai encore le temps. Vas-y, monte-moi ta petite tête. Voilà. Ben voilà. Bon, vas-y, recharge, parce que comme ça, c'est fait. Bon, ben, j'ai pas le temps de recharger, d'accord. C'est le bon Dieu qui vous envoie. Sans votre aide, là, j'aurais été mangé comme un lièvre. Difficile de te manquer, Meunier. Pense qu'on t'a entendu jusqu'à Québec. Soyez sur vos gardes, là. Il y a une meute de loups enragés qui court d'un parage. Ils sont combien? Des dizaines, des centaines, peut-être, ben. Ils bloquent même le chemin vers mon moulin, par là, à l'est. Allez voir par vous autres même, si vous voulez. Moi, je courrions me cacher à la Wood Company. Ok. Donc, sécuriser la route, machin. Allez, hop, on y go en courant, parce que voilà. Et oh, putain. Ils sont tous là-bas. Vous les voyez sur la carte, n'est-ce pas? Les points jaunes. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas repéré. Le facteur d'intimidation. Lorsque vous entrez en combat, l'indicateur du facteur d'intimidation apparaît au bas de l'écran. Cet indicateur représente le temps dont vous disposez avant qu'un ennemi vous attaque. Plus votre ennemi vous craint, plus la distance entre vos deux icônes est grande et plus vous disposez de temps avant la prochaine attaque. Au fil du temps, votre ennemi devient moins intimidé et la peur qu'il ressent à votre égard diminue. Ainsi, vos deux icônes se rapprochent. Lorsque le facteur d'intimidation de votre ennemi est égal au vôtre et que vos icônes sont en contact, il vous attaque. Attention! Même s'il est intimidé, un ennemi vous attaquera toujours s'il se trouve trop près de vous. Il est donc préférable de garder vos distances des ennemis intimidés lorsque vous n'avez plus d'endurance. Voilà, voilà. Bref, on va y aller un peu. Allez, allez, allez. Est-ce que je suis à portée? Je suis pas à portée, merde. Voilà, parfait. J'ai foiré mon coup. Ouais. Aïe 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 aïe. A savoir que... Vous pouvez voir que celui-là, le loup là, il a une patte. C'est parce que c'est le prochain qui va m'attaquer en fait. Justement avec ce facteur d'intimidation. Voilà. Bon là il est tout seul donc forcément voilà. Est-ce que j'ai le temps de recharger? Ouais, je pense que j'ai le temps de recharger. Sauf s'il s'approche comme ça. Raté. Tiens! Bon! Ça, c'est fait. Continuons vers le truc du moulin.
Allez. Sécurisons le pont qui mène vers le moulin. Allez, 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 cours, cours. Ah putain. Plus d'endurance. C'est la petite barre verte en dessous des pieds. Mais bon. Alors graphiquement, faut le reconnaître, c'est pas folichon. C'est pas... Voilà, c'est... Ça aurait pu être mieux. Mais je trouve que ça a son petit charme et tout, sa petite ambiance et tout. La musique, quoi. La gestion des meutes. Lorsque plusieurs ennemis vous attaquent en même temps, vos chances de survie sont minces. Il est donc important de savoir intimider vos ennemis pour espacer les attaques. Vous pouvez intimider vos ennemis de deux façons. Premièrement, lorsqu'un ennemi reçoit des dégâts, son facteur d'intimidation diminue. Deuxièmement, cette icône au bas de l'écran représente l'une de vos aptitudes spéciales, le cri d'intimidation. Appuyez sur la touche Q pour crier et tenter d'intimider vos ennemis. N'oubliez pas, la distance entre les deux icônes représente le délai avant la prochaine attaque. Utilisez ce temps pour recharger votre fusil et reprendre votre endurance. Finalement, le symbole de patte de loup indique le prochain ennemi qui vous attaquera. Méfiez-vous toujours de celui-ci. Et ouais, on peut voir que le loup, que le loup est cassé, oui, tout à fait, hein. Et oh, wow, 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 quoi? Tiens, je te gueule dessus, rien à foutre. On vous a envoyé dans les enfers. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ça fait des bruits de bouchons presque? Pouf! Tiens! Ça, après, c'est le didacticiel, donc c'est un peu facile ici. Mais bon. C'est bien mon frère, ça. J'ai pas le dos tourné deux secondes qui se met dans le trouble. Je suis mieux de retourner à la cabane au plus sacré. À savoir que la cabane, donc, voilà, que la cabane peut être endommagée. Donc, à droite de l'écran se trouvent les indicateurs d'état de vos bâtiments. Les loups et d'autres créatures, j'arrive plus à parler, peuvent endommager vos bâtiments. S'ils arrivent à en détruire un, vous perdez la partie. Voilà, c'est un peu la merde, hein. J'aurais compris. Donc, on peut boire le whisky canadien. Buvez le whisky canadien dans votre baluchon. Bon, buvez le whisky canadien dans votre baluchon en appuyant sur la touche 1. Puisque c'est le premier truc ici. Le whisky canadien vous rend enragé. Ce qui vous permet d'effectuer les attaques spéciales. C'est sympathique, hein. Bon. Bref. Allez, on y go. On boit le whisky canadien. Et on y go. Bah. Aïe, 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 ok, j'ai rien dit. Quoi, qu'est-ce toi? Tiens, t'as survécu, c'est pas grave, voilà. Ok, avec la musique. We did it, mate. Ils me parlent, je les entends, mais surtout, je vois les bêtes, c'est le diable qui les envoie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Elle s'est mise à trembler comme une folle, à pousser un cri terrible, puis à tomber par terre. Je t'avais demandé de veiller sur elle, Batince. J'ai rien pu faire. Faut aller chercher le docteur de la montagne. Je sais pas comment c'est arrivé, mais le pont qui mène à Valoulou a brûlé. Va falloir attendre à demain matin. Cet accent. Loup-garou! Lorsque l'âme d'un humain est corrompue par le diable, il peut arriver qu'elle s'échappe de son corps à la nuit tombée pour aller courir le loup-garou. Expression typiquement québécoise, je suppose. L'âme repère ensuite un loup ou un chien pour le posséder. Dès lors, celui-ci grossit monstrueusement et acquiert les traits difformes. Des traits difformes ainsi qu'une force décuplée. Retenant une partie de son intelligence humaine, le loup-garou est un prédateur rusé et impitoyable, dirigeant souvent de grandes meutes de loups. Ça fait... voilà.
Particularité, très résistant contre toutes les armes personnelles, sauf celles qui sont bénites. Voilà, donc il va falloir bénir les armes et tout, ça va être le bordel. Et donc, pièce recommandée, voilà, machin et tout ça. Hop. Chapitre 2. Désir et regret. Mon Dieu, pardonnez-moi. J'ai été dominé par le désir. Ai-je fait ? Ai-je fait ? Vous n'êtes qu'un homme, Elzéar. Qui est là ? Qui êtes-vous ? Mais vous venez tout juste de m'inviter. Quand vous avez tenté d'agresser votre servante, Joséphine, après qu'elle eut refusé vos avances, j'ai pensé que nous avions des affinités. Mais quand vous avez laissé le feu se répandre dans votre église, après que Joséphine vous ait asséné le coup de candélabre, quand vous l'avez accusée devant tous les villageois du crime que vous aviez en fait commis, alors là, j'ai su que nous allions faire de grandes choses ensemble. Ce qui d'ailleurs m'amène à vous faire une offre irrésistible concernant votre jolie et inaccessible servante. Voilà, donc le diable est mêlé à tout ça, c'est cool, c'est rassurant. Donc voici l'écran stratégique. À partir de cet écran, vous élaborerez vos stratégies de défense pour la nuit à venir et placerez des pièges dans la forêt. Alors, oui. Je les vois, les bêtes veulent me ramener à leur maître et attaqueront cette nuit. Je sens même la présence d'un loup-garou. Voilà, c'est le bordel. Ah. Les présages. Les cartes de présage représentent les visions de Joséphine et vous aident à préparer votre défense pour la nuit à venir. Cette section représente le type d'ennemi qui va vous attaquer. En laissant votre curseur au-dessus d'une carte, vous pouvez avoir plus d'informations sur le type d'ennemi. Cette section représente le nombre d'ennemis qui surgiront à cet endroit. L'ordre dans lequel vos ennemis vont attaquer est indiqué par leur numéro de vague. Durant la nuit, une vague est lancée seulement lorsque tous les ennemis de la vague précédente ont été anéantis. Vous pouvez choisir les vagues qui sont affichées en utilisant les filtres situés à droite de l'écran. Finalement, cette dernière section représente le bâtiment qui se fera attaquer. Dans ce cas-ci, il s'agit de la maison. Pour connaître le chemin qui sera emprunté par les ennemis d'une même carte, il suffit de cliquer sur celle-ci. Utilisez les cartes de présage pour planifier votre stratégie. Alors ici, c'est assez simple parce qu'il nous laisse assez libre de ce qu'on fait. Alors maintenant, je sais quel sentier les bêtes vont emprunter. Je vais poser les pièges à loup pour m'aider cette nuit. Voilà. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a... Ah, il y a quand même plus de gens que prévu. Trois loups-garous ? Sérieux ? Ah non, non, c'est la vague 3, je suis con. Il y en a qu'un sinon, voilà. Là, il y a... Un grand loup et quatre grands loups, d'accord. Donc, ouais. Oui, voilà, il va... Donc je dis, c'est super facile parce qu'il nous dit... Enfin, au début, voilà, il nous dit où placer les pièges exactement, hein, donc... Près du cercle vert, voilà, on peut même le mettre ici dessus carrément, hein. Voilà, de placer les deux pièges. Le problème de ces pièges-là, c'est qu'ils consomment de l'argent également. Et merde. Les pièges à loups. Vous pouvez vous déplacer sur vos pièges à loups sans crainte de les activer. Lorsqu'un ennemi passe sur un piège à loup, celui-ci s'active automatiquement. Voilà. Alors, savoir que ça tue pas les loups-garous, mais par contre, ça... Ouais, ça ralentit les... Ça ralentit les loups-garous, en tout cas. C'est plutôt pratique, je me perds dans ce que je dis. N'importe quoi. Donc, il va essayer de leurrer avec les filets suspendus. Les filets suspendus sont sympathiques parce que... Bah, je suppose qu'on... Mais... Oui, voilà. Et un autre là, oui, pourquoi pas. Notez que que vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez, hein, mettez en 1080 si vous voyez pas. Il y a des tout petits fils comme ça qui sont liés aux arbres et tout, je trouve ça sympathique. Ce qui fait qu'on peut pas en mettre ici, parce qu'il faut au moins 4 fils, forcément. Donc ouais, on va le mettre là, voilà. Donc, voulez-vous voir le tutoriel d'utilisation du piège? En fait, non, parce que je sais exactement comment ça fonctionne. Je vous montrerai. Bon, j'ai fini de placer mes pièges. Reste plus qu'à attendre la nuit. Voilà. Et pour attendre la nuit, il faut appuyer sur débuter la nuit.
Voilà. Cliquez maintenant sur DVT la nuit. Oui, parce que de toute façon, ouais, voilà. Ça, on peut pas encore faire. Donc, on verra après. Voilà, alors on a un petit temps avant que la vague commence, comme vous pouvez voir. Je sais plus par où, je sais plus quelle vague c'est. Ah ok, c'est celle-là, ok, donc on rejoint les pièges. Voilà, donc, le piège suspendu, hein. En fait, on peut l'activer en tirant dessus, voilà, il y aura un indicateur de du nombre de... Ah, ah, ah. Tiens ! Je vais vous renvoyer dans les enfers. Non, je fais très mal l'accent canadien en plus. C'est dommage. Voilà, première vague. Elle a été gérée. Deuxième vague maintenant. Point de destination, pourquoi? Ah oui, c'est parce que c'est toujours le tutoriel, c'est pour ça. Hop, allez, on court, on court, on court, on court. La détection. Vos ennemis vous voient et vous entendent. Si un ennemi est trop près de vous, il vous voit et vous attaque. Le cercle autour du héros sur la mini-carte représente le bruit que vous faites. Quand vous vous déplacez, vous faites plus de bruit. Un ennemi vous entend lorsque son point sur la mini-carte se trouve à l'intérieur du cercle. Certaines actions, comme par exemple tirer du fusil ou crier, émettent beaucoup de bruit. Lorsqu'un ennemi vous entend, un marqueur apparaît à vos pieds. Ce marqueur indique le dernier endroit où vous avez été entendu. Un ennemi vous ayant entendu vous traquera en se déplaçant vers ce marqueur. S'il ne vous voit pas et ne vous entend pas, l'ennemi s'en ira après quelque temps et le marqueur disparaîtra. Le cercle en pointillé sur la mini-carte représente la portée de votre cri d'intimidation. Servez-vous du cri pour leurrer les bêtes sous vos pièges. Et voilà comment ça marche. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire ici, hein. Hop, allez, venez là, mes agneaux. Voilà, donc. On vous renvoie dans les enfers. Aïe. Mélange d'accent power. Allez, donc on attend. Ils arrivent, voilà. 1, 2, ils y sont. Voilà. Allez, dépêche-toi de recharger, on n'a pas que ça à foutre, il y a un loup-garou qui s'amène. Voilà. Donc, la suite, par ici. Voilà, on retourne au deuxième piège, hein. Voilà. Un loup-garou. Alors, j'attends qu'il entre dans le cercle d'action, forcément. Voilà, il y est... Je suis... Bon bah écoute, allez, hop. Viens là. Viens là. On va faire un ragoût avec vos restants, saint. Sérieusement. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. C'est un petit jeu sympathique à faire comme ça, voilà. Il me plaît beaucoup. Alors le loup-garou est là. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Il a survécu. C'est pas grave. Voilà, il est résistant à ces armes-là, mais voilà. Alors après, c'est le tutoriel, donc forcément, ça prend son... Ouais, j'adore. Bon, j'arrête. Mais attends, c'est génial la musique quand même, hein, faut le reconnaître. Donc voilà. Les objectifs sont faits, hein. C'est relativement simple, hein. Ça reste le tutoriel ici. Voilà, donc la maison n'a pris aucun dégât parce que voilà. Grand vieux loup. Comme chacun sait, les loups forment une société hautement hiérarchisée, dirigée par les mâles alpha. Seuls les plus gros et les plus aguerris de ces mâles réussissent à atteindre l'âge vénérable de 8 ans, à partir duquel ils sont appelés grand vieux loup. Voilà. Particularité, ils se déplacent deux fois plus rapidement qu'un grand loup et donc pareil que les autres, hein, piège à loup, filet suspendu, champ de pieux, très pratique contre eux. Voilà. Chapitre 3. Rancœur et damnation.
Les points d'action. À chaque fois que vous placez un piège, vous utilisez des points d'action. Le nombre de points d'action nécessaires pour poser un piège est indiqué dans le menu contextuel lorsqu'on laisse le curseur vis-à-vis un piège. Certains pièges coûtent également de l'argent. Pour supprimer un piège, appuyez sur l'outil de suppression de piège. Sélectionnez ensuite le piège à supprimer. Pour supprimer tous les pièges placés, appuyez sur le bouton de suppression de tous les pièges, puis confirmez. Lorsque vous effacez un piège placé la même journée, vous reprenez vos points d'action ainsi que l'argent dépensé. Les pièges posés, à l'exception de ceux qui ont coûté de l'argent, disparaîtront automatiquement à la fin d'une nuit. Voilà. Le feu de joie. Allez, ouais, je vais vous montrer parce que c'est quand même sympathique. J'aime bien cet accent, donc voilà. Le feu de joie. Pour allumer un feu de joie, appuyez sur E à proximité. Vous profitez d'un bonus d'intimidation considérable lorsque vous vous trouvez près d'un feu de joie allumé. Si vous vous éloignez trop du feu, vous perdrez votre bonus. Un indicateur vous montre la durée du feu de joie. Et voilà, les bûcherons de la W Wood Company ont ouvert de nouveaux sentiers. Au début de chaque tour, de nouveaux sentiers apparaissent, assurez-vous d'en tenir compte lorsque vous placez vos pièges. Voilà, si vous aimeriez un petit coup de pouce pour vous aider à planifier votre stratégie, cliquez sur l'option indice stratégique du menu pause. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais regardé vraiment ce qu'il y a dans indice stratégique. Voilà, vague 1, combiné un... Ouais ouais, ok, carrément. Carrément, il nous dit carrément comment faire, quoi. Ils nous disent carrément comment faire, d'accord. Mais bon, ça va, on n'a pas besoin de savoir tout ça, voyons. Ok, donc ils nous disent, voilà, on peut déplacer la caméra, on peut zoomer, on peut orienter, c'est cool. Hop, voilà. Juste le faire, comme ça l'icône disparaît. Donc voilà, hein. Je rappelle, vague 1. Donc il y aura deux grands loups et un loup-garou. Waouh. Ouais. Ouais, ça devrait être simple. Et vague 2, donc deux grands vieux loups et quatre grands loups. Je pense que je vais devoir m'occuper de ceux-là absolument en premier. Ceux-là attendront. Là, si je ne dis pas de bêtises, dans la vague 1, voilà, il y en a que deux. Donc ce que je vais faire, mette avis, c'est que je vais placer deux pièges ici. Hop, un piège loup, je sais pas. Attendez, je vais juste cliquer histoire de voir le chemin. Voilà. Enfin, c'est le chemin théorique, hein, donc voilà, ça peut changer. Je vais juste en placer un troisième au cas où. À savoir que ça me coûte de l'argent et donc des points d'action. Voilà. Eux, ils vont carrément attaquer ça en premier. Donc, enfin, ils vont carrément attaquer la grange. Donc, on a limite le temps. Mais bon, voilà. Alors, lui, donc, ça sera un piège ainsi. S'occuper du loup-garou en priorité, donc. Parce que lui, il va passer par ici, hein, voilà. Et la vague 2, donc, voilà. Ici, je vais foutre piège sur piège sur piège. Bon, peut-être pas autant. ça sera peut-être pas nécessaire. Mais on sait jamais. Quoique, non. Non, 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 non. Non. Vague 2, ouais. Attendez, je réfléchis. Il y a moyen normalement, hein, mais... Non, je vais quand même faire feu de joie, ouais. Genre le placer ici. Au cas où. Et ouais, ouais, ouais. Mettre 2-3 pièges pour m'aider au cas où. De toute façon, je pourrais les récupérer après s'ils sont pas utilisés, hein, y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, on va tenter ça comme ça. Voilà, donc c'est vraiment ce que je dis, hein, c'est survival pendant les phases de nuit, et pendant les phases de jour, bah tu prépares la phase de nuit en plaçant des pièges et tout ça, c'est plutôt sympathique, je trouve. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on peut débuter la nuit, hein, on y va. Voilà, alors le menu de personnage, ce menu donne des informations détaillées sur votre personnage, ses caractéristiques, ses possessions et ses aptitudes, voilà. Donc pour le moment, oui on s'en fout, voilà. Donc on a la vieille hache à pain.
La vieille hache de bûcheron, quoi. Et le mousquet brown, machin, voilà. On a une bouteille d'eau de vie, ça me semble relativement sympathique. Allez, mets-toi, voilà. Petite bouteille d'eau de vie, voilà, hein, rend 100% des points de vie à utiliser vraiment qu'en dernier recours, chose que je vais faire. Alors, également, il y a un petit arbre de compétences, comme ça, hein, vous pouvez voir que comme on est que niveau 2, ben, on a accès qu'à ça. Ça demandera niveau 4, niveau 8, niveau 12, 14, 15, voilà. Et ça monte pas plus haut, il me semble, hein, non. Regardez. Bref, on s'en fout. On peut faire en sorte que les feux de joie durent 20 secondes de plus, que les pièges retiennent les bêtes 10 secondes de plus, y compris les loups-garous et les maïkans. Les maïkans sont des créatures qu'on aura bien plus tard. Soif de sang, c'est ce que je vais prendre à mon avis, parce que ça me permet de gagner automatiquement 2% de santé. Quoique, tir, ça peut se montrer pratique aussi. 2 points de rage, enragé, dommage additionnel. J'hésite entre tir 1 et soif de sang 1 en fait. Ça par contre, ça va être instantané, ça va être genre Call of Duty, surtout ça, ça va être genre Call of Duty, clac clac clac, hop, c'est bon. écoutez, je vais prendre soif de sang. Je sais pas si ça change grand chose, mais 2%, ça reste 2%, hein. Sur 85 PV, ça fait quand même, ça fait quand même 1 ou 2 points de vie, certes. Je sais pas combien de PV on prend, sinon, enfin, par coup. Notez qu'on a des munitions, on peut avoir des balles bénites, des balles d'argent. Ça, les balles d'argent, ça doit coûter la peau du cul. Ça doit coûter vraiment la peau du cul. Intimidation, ah oui, faudra monter ça aussi. Écoutez, on y va. Débutons la nuit. Mes petites bêtes les ont retrouvés tous les trois. Ils sont coincés dans une cabane à l'est du village. Maintenant, vous devez me signer ce document. De quoi parlez-vous? En signant ceci, vous me confiez la garde des âmes du village. La nuit venue, elles iront posséder les bêtes de la forêt pour les transformer en loups-garous, qui exécuteront tous nos ordres. Il n'en est pas question. J'ai signé sous la menace. Je ne consentirai jamais à vos bassesses. Tais-toi, braillard, et pense au plaisir que tu auras lorsque nos loups-garous te ramèneront la femme que tu désires. De plus, que dirais-tu d'être nommé cardinal à Rome? Rome? Vous avez dit Rome? Ce serait mon plus grand rêve. Le diable. Le diable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il connaît vos plus noirs désirs, donc c'est normal. Enfin bon. Bon. Le feu de joie est ici, voilà, il y a les 2-3 pièges. Ouais, c'est ça, il faut que je m'occupe du loup-garou en priorité. Le loup-garou qui est par là, et je me suis totalement foiré en fait, je pense. Cours, merde. Raté. Là, j'ai dans le cul. Largement. J'ai été très con sur le coup. Tiens, il résiste, hein, cet enfoiré. Oula. Wow. Pourquoi j'ai foiré mon coup? Ah, la maison qui prend. Bon, je reviens. Je vais m'occuper de la maison. Ah, putain, il faut que je... Allez, respire, j'ai pas que ça à foutre. Le problème c'est que... Ah, tu m'énerves! Voilà, tiens. Voilà, on attire les gens. Le problème c'est qu'il est résistant à ses armes. Ce fumier. Oui, je sais que je suis détecté, mais... Wow. Voilà. Le problème c'est que j'ai foiré avec cette histoire de loup-garou. Aïe.
Non, loup-garou en priorité. Voilà, c'est bon, j'ai eu le loup-garou. Ils sont où les autres? Ok, c'est bon. Les autres, ils viennent de par où? Ça va être la merde. Ok. On va gérer, on peut gérer. On peut gérer, on peut gérer. Tiens! Voilà! Bon, attends. Je vais juste faire un truc du coup. Allez, allez, allez! Recharge vite! Montre-toi ta petite tête, voilà! Gentil chien! Allez, 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 on peut le faire, on peut le faire. Toi en priorité. Non, toi. J'ai foiré mon coup. Pas grave. Voilà. Hop là. Viens là, viens là, viens là, je t'en prie. Ah merde. Le feu s'est éteint. Hop là. Aïe 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 aïe. Non. Tiens. C'était tout juste. On a un peu beaucoup foiré sur loup-garou en fait, c'est ça le problème. J'ai totalement mal placé mon piège en fait, c'est surtout ça. Mais bon. C'est pas grave, on a quand même survécu. Voilà, niveau 3, voilà. Voilà, Valoloup. Depuis sa fondation en 1848, le village de Valoloup a toujours été érigé par les deux têtes fortes que sont le maire Napoléon Robidoux et le curé de la paroisse Elzéar Chiasson. Putain, c'est pas beaucoup mieux. L'économie fondée sur la coupe du bois sans être prospère a tout de même permis à la population de s'accroître pour atteindre près de 400 âmes. Ah oui, c'est vrai qu'il compte comme ça, j'avais oublié. L'atmosphère s'est cependant considérablement alourdie depuis quelques jours lorsque Joséphine O'Carroll, que plusieurs appellent dorénavant la sorcière irlandaise, aurait supposément mis feu à l'église pour des raisons obscures. Chapitre 4, la rose et le serpent. Ben bonjour à mes sauveurs! Saint Christophe! Quoi c'est qu'elle a, votre sœur? On sait pas trop encore. Il se passe des choses étranges. Parlez-moi-en pas! Je tiens à aller à la Wood Company chercher des hommes pour m'aider à réparer le pont qui mène au village, pour apprendre que le camp de bûcherons a été attaqué. On a retrouvé des gars à moitié dévorés. C'était pas beau à voir. On parle de bêtes immondes là, qui rôdent aux alentours. On s'occupera de tes malheurs un peu plus tard, Meunier. L'important, c'est que le pont soit réparé pour qu'on puisse sauver notre sœur. Joe, fonce au village chercher le docteur Lamontagne et ramène-le ici au plus sacrant. Joséphine est trop faible pour faire le voyage. Au village de Valoloup. Dis donc, ma sœur. Vous auriez pas vu le docteur Lamontagne au village? Ma petite sœur est bien malade, puis on m'a envoyé le chercher. Non, on ne l'a pas vu depuis 2 jours. En plus, depuis que l'église est passée au feu, Monsieur le curé y est resté en cabané. Il veut voir personne. Vous savez, il y a des gens qui disent que votre sœur est une sorcière et que tout cela serait sa faute. Je m'en doute bien. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour nous. Le mieux que je puisse vous offrir est la paix divine. Acceptez-vous ma bénédiction? Me bénir? Je suis tout à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, et donc on peut bénir ses armes. Voilà, donc je vais juste bénir ma hache, hein. Juste. Voilà.
Bénir la hache, ça coûterait 1$ complet. Waouh. On va le faire parce que c'est quand même intéressant. Ouais, je veux absolument que je bénisse ma... Allez, merci pour la hache. Voilà, donc on a béni une balle, on a béni la hache. La balle sera importante pour... Enfin, sera intéressante pour buter un loup-garou, justement. Voilà, donc le village, on peut visiter. On peut racheter des balles au magasin général. Pas que des balles, d'ailleurs. Hein. Quincaillerie Forge, on va voir là-bas, d'abord. On peut se montrer intéressant. Voilà, donc on peut... Ouais, mais non, mais j'ai pas acheté. Donc on peut pas vendre les objets de départ parce que bah cet item n'a aucune valeur. Je peux pas vendre ma carabine parce que c'est ma carabine et que c'est de la merde en fait. Mais par contre, je peux racheter une carabine. C'est pas chez lui, me semble. Magasin général. Oui, voilà. Donc on peut acheter de l'armure. Protège un PV par coup, pourquoi pas. Hein. On peut donc acheter. Voilà, ça. Fusil de prédilection des chasseurs. Je vais le prendre parce que, voilà. J'essaye de passer beaucoup de temps à ça. Acheter quelques balles également. Voilà. Voilà. Et puis, également, passer à l'hôtel, carrément. Au draveur, assoiffé. Et ouais, je vais prendre une petite shopping, ouais. Prendre une petite shopping là, ouais. voilà, couvent donc c'est pour les armes, le quincaillerie donc c'est pour voilà, où je peux acheter la hache. Ok, voilà, on retourne à la maison là. Et voilà, nouveau piège, lapin est maintenant disponible. Voulez-vous voir le tutoriel d'utilisation de ce piège? Non, en gros c'est simplement une carcasse qu'on pose sur le sol. Et ça va ralentir les bêtes parce qu'elles vont bouffer la truc et voilà. Et plus il y a de bêtes, bah plus la carcasse est bouffée forcément. Ça me semble logique. Ça fait combien de temps que je filme? Ça fait 50 minutes. Donc je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, vous avez compris le principe du jeu, je pense. Voilà, il y a 2-3 autres mécaniques à déverrouiller encore. Mais vous avez globalement compris le principe. Hein, voilà, on doit se protéger pour la nuit, on peut acheter des objets pour aider, voilà. Donc c'est vraiment sympathique comme jeu, j'aime beaucoup personnellement. Voilà, en plus avec une bonne ambiance et tout. J'avoue que les graphismes pourraient être un petit peu améliorés. Mais bon, c'est quand même pas mal du tout, je trouve, voilà. Donc écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et ou un commentaire à votre convenance, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer. Et écoutez les gars, salut à tous, Killa Selaï.